Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Nicolas Hémin, j'ai fait mes études d'ingénieur génie civil à Saint-Étienne, à Nice, s'il y en a qui connaissent. Et du coup, au cours de mon cursus, j'ai occupé plusieurs postes, notamment de conduite de travaux, de maîtrise d'œuvre. J'ai fait un peu de manœuvre, etc. également. Et en fait, j'ai fini sur un gros projet de fin d'études dans le thème de l'e-construction. Et du coup, ça m'a donné envie de monter mon entreprise là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé WeUpTeam aujourd'hui, où l'idée de WeUpTeam, c'est de déployer du conseil et de la formation en e-construction un petit peu partout en France. Et du coup, voilà. Donc, c'était pour la présentation. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'en 1 heure et quart, je vous fasse un aperçu un petit peu de l'ensemble de cette notion, pour comprendre un petit peu les enjeux du secteur et à quoi, à quels problématiques, on va dire, répond de l'e-construction. On va dérouler la conférence de cette façon-là. Dans un premier temps, on va faire un petit état des lieux du secteur. Je trouve que c'est toujours intéressant de prendre en termes de point de départ des données mesurées pour comprendre un peu à quoi on va répondre. On fera un petit point rapide, là-dessus j'irai assez vite, sur les origines du Lean, c'est-à-dire si vous n'êtes pas du tout sensible, vous ne savez pas d'où ça vient, vous comprendrez pourquoi ça s'est développé, notamment dans l'industrie, avant de se déployer sur le bâtiment assez récemment. On verra du coup quelques principes du Lean, les outils, et puis on terminera sur un petit lien avec la maquette numérique et le BIM, et en quoi en fait les deux peuvent être extrêmement compatibles, et sont pas du tout, on ne dit pas on fait du Lean ou on fait du BIM, on peut faire complètement les deux sur les chantiers, ça répond vraiment à une problématique, et c'est ce que je vais essayer de faire comprendre aujourd'hui. Donc, pour commencer, petit état des lieux, on va s'y prendre de la façon suivante. On va d'abord faire un état des lieux sur la partie chantier et un état des lieux sur la partie entreprise. Ce qu'il faut savoir sur l'île de construction, c'est que vous avez 20% qui a été développé exprès pour le secteur de la construction et 80% des outils qu'on applique à l'industrie, pour résumer. Parce qu'on sait que ça fonctionne dans l'industrie, on sait que ça marche très bien, et du coup, c'est pour ça qu'on s'en est beaucoup inspiré. Donc, en fait, si vous voulez, on peut faire de l'île de construction dans une entreprise en particulier, et on peut faire de l'île de construction sur un chantier en particulier. Il y a des gens qui disent qu'il faut organiser les chantiers, les entreprises s'organiseront, et il y a des gens qui disent l'inverse. L'idée, moi, je pense que ça va venir un petit peu des deux, et que c'est l'organisation globale, à la fois des chantiers et des entreprises, qui fera qu'on pourra atteindre des performances meilleures dans notre secteur. Pour faire un premier état des lieux du coup sur la partie chantier, j'aime bien ce graphique qui vient d'un petit cabinet de conseil local, un petit peu international qui s'appelle McKinsey, qui a sorti ça en 2014 sur les 20 dernières années en termes de valeur ajoutée par leur travailler dans le bâtiment par rapport aux industries globales. On voit qu'on a raté un petit coche, certainement raté un petit coche numérique au niveau des années 2000 par rapport aux autres. Et en fait, quand l'industrie a quasiment multiplié par 1,5 sa productivité, nous, ça a complètement stagné. Et puis, là, c'est de la sorte, en termes de stats, là, je pense que vous serez tous à peu près d'accord avec moi, je ne sais pas quelle expérience vous avez eue, à mesurer que 80% des chantiers globalement ont un retard, et qu'au niveau mondial, 15% du chiffre d'affaires des entreprises du bâtiment était passé dans de la reprise qualité. Les notions de qualité, j'y reviendrai assez rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité, ça coûte cher à mettre en place, mais ça coûte encore plus cher de ne pas en avoir. Et en fait, aujourd'hui sur les chantiers, on passe, quand on connaît nos marges qui sont très faibles, quand on a 15% du chiffre d'affaires qui passe en spécialité, c'est très très problématique. Et du coup, on voit qu'on a des marges de progression assez énormes à ce niveau-là. Ensuite, donc là, ça provient de Luxembourg. Alors, je reviens un peu là-dessus, mais le Luxembourg, c'est un des pays où le Lean est très développé. Du coup, ils sont basés sur pas mal de mesures. Au Luxembourg, ils ont mesuré que 70% des tâches sur chantier étaient de la non-valeur ajoutée. Ça veut dire qu'en fait, on a 70% de toutes les ressources mobilisées sur un chantier qui, en fait, ne produisent pas de valeur finale pour le client. Et un ouvrier marche en moyenne 13 km par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces 13 km, vous avez une grosse partie qui est de la non-valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous donne un exemple très simple. Un ouvrier qui va faire des allers-retours en permanence à son camion parce qu'il oublie toujours un élément, parce qu'il oublie toujours un outil, et bien en fait, il va faire énormément de non-valeur ajoutée sur la journée, il va marcher énormément, avec une impression de travailler, alors qu'en fait, il aurait pu en faire deux fois plus s'il avait une pièce à outils mobile, etc. Donc voilà. Et en fait, on a énormément de gaspillage comme ça, de petits gaspillages sur les chantiers, qui, à la fin, additionnés, nous amènent à des performances qui peuvent être parfois un petit peu déplorables. Maintenant, on va passer du côté de l'entreprise. Donc, en termes d'entreprise, il y a
avait fait une petite étude récemment qui m'a paru assez intéressante, de vous partager, c'est que vous avez environ 90 heures par mois en moyenne dans les entreprises qui sont passées à rechercher des outils entre les chantiers. Donc en fait, ça témoigne vraiment de la non-organisation qu'on a au niveau du suivi des matériaux, du suivi des outils, du matériel. On parle de quand même presque 3 semaines de travail. Et 65% des entreprises, les deux tiers, n'ont pas de suivi d'outils et d'équipements. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des entreprises aujourd'hui qui ne suivent pas ce qu'ils achètent, qui ne suivent pas ce qu'ils dépensent en termes d'achat, etc., en interne. Et en fait, si vous voulez, souvent, ce n'est pas si grave, parce qu'en fait, à la fin de l'année, on est quand même positif, on fait quand même du bénéfice, etc. Donc, on continue comme ça, mais on ne se rend pas compte qu'on pourrait avoir des marges bien plus élevées, simplement en fait, en faisant suivi les équipements et en responsabilisant un petit peu les utilisateurs de ces outils. Voilà donc pour le petit état des lieux assez rapide, le petit tour d'horizon pour vous donner l'idée de ce sur quoi on se base quand on déploie du Lean. Et maintenant du coup je vais essayer de vous présenter les origines du Lean, d'où est-ce que ça provient pour comprendre un petit peu comment ça s'est déployé dans le bâtiment. Dans un premier temps, le Lean, il faut savoir que ça vient de l'industrie, donc je vais vous parler très rapidement du secteur. Et que ça s'est d'abord développé un petit peu au niveau local, notamment dans un pays qui s'appelle le Japon. Puis qu'en fait, on s'est rendu compte que globalement, c'était très important. Il y avait vraiment des notions très importantes qui se sont développées un petit peu à travers le monde. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que le Japon a un retard économique énorme sur l'ensemble des pays occidentaux. Notamment, un ouvrier japonais est 9 fois moins productif qu'un ouvrier américain en termes de chiffres. Et du coup, en fait, pour sauver l'industrie, il y a des entreprises comme Toyota qui vont développer en fait ce qu'ils ont appelé le Toyota Production System, qui est un ensemble d'outils qui va permettre de développer ce qu'on appelle l'amélioration continue dans les entreprises. Et en fait, on est plus sur un ensemble d'outils, on est plus sur un état d'esprit pardon, qu'un ensemble d'outils, où dans l'idée, on va former les gens à réfléchir sur leur méthode de travail en continu. Et en fait, à l'époque, quand vous pouviez être embauché, par exemple, comme ingénieur chez Toyota, ingénieur amélioration continue, on allait vous mettre simplement dans une zone, tracer un cercle de 10 mètres autour de vous et vous dire, ben voilà, pendant les 15 prochaines années, vous allez étudier tout ce qui se passe dans cette zone et vous allez en fait optimiser tout ce que vous pouvez optimiser en termes de déplacement, en termes de tout ce que vous pouvez, en fait, vous allez l'optimiser. Et en fait, ça leur a permis à long terme d'avoir des performances assez incroyables du coup qu'on connaît aujourd'hui en termes d'industrie. Et du coup, voilà, donc, les techniques d'amélioration continue, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, mais vous avez des méthodes comme le juste à temps, le Toyota Production System, etc. Ce qui est très intéressant sur le juste à temps, c'est une méthode qui consiste à faire très peu de stock. Donc, du coup, ça nécessite d'avoir une très bonne qualité, etc. et de répondre uniquement à la demande client pour éviter les gaspillages. Ce qui est très intéressant sur le juste à temps, c'est que c'est une méthode qui a été développée en interne pour Toyota et que la personne qui a développé cette méthode dans les années 1950 a réussi à le déployer 12 ans après. Donc, pourquoi je vous parle de ce chiffre-là? Parce que c'est pour vous montrer pourquoi les techniques de Lean sont extrêmement longues à s'implanter. C'est-à-dire que quand on paye quelqu'un pour le faire en interne dans une entreprise, ça met beaucoup de temps. Donc, pour changer tout un secteur, ça met énormément, énormément de temps et on parle de décennies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Lean Construction, ça reste très marginal en France, mais que ça tend à se développer un petit peu. Faut lancer un petit peu l'effet boule de neige. Mais du coup, il y a vraiment une philosophie de changement à mettre en place et ça peut être assez chronophage. Et du coup, donc pour le développement global, ça s'est un peu passé de la façon suivante. Pour simplifier, après la Seconde Guerre, vous vous retrouvez dans une période qui s'appelle les 30 Glorieuses, où en fait, dans l'idée, quoi que vous produisiez, ça se vend. Si vous voulez une voiture, bah vous commandez votre voiture, vous l'avez 2 ans plus tard, vous ne choisissez pas la couleur, il n'y a pas de notion de qualité, il n'y a pas de notion de délai, il n'y a pas de notion de sécurité, on est uniquement sur des réductions des coûts à ce moment-là, et en fait avec un management très directif où ceux qui pensent ne font pas et ceux qui font ne pensent pas, et du coup on est vraiment sur la réduction des coûts un petit peu, j'ai envie de dire, bête et méchante, mais à l'époque ça fonctionne parce qu'on a une hypercroissance et du coup on n'a pas forcément besoin d'aller chercher à optimiser ses méthodes de travail. On a une offre qui est largement inférieure à la demande. Et en 1975, du coup, à partir de 1975, c'est, encore une fois, c'est un petit peu à la marge, mais on se retrouve avec une offre qui va devenir supérieure à la demande, et du coup, les constructeurs vont se rendre compte
que ben, s'ils produisent 100 voitures, ils n'en vendent plus que 80 par exemple. Et en fait, ils se disent, on va peut-être commencer à écouter nos clients parce que du coup, on commence à avoir des gaspillages et il va falloir un petit peu s'adapter aux clients. Donc, on commence à personnifier un petit peu les voitures, faire des modèles rouges, des modèles bleus, etc. Et puis, on met des notions de qualité parce qu'on se rend compte que la non-qualité coûte extrêmement cher à réparer. Et du coup, on personnifie un petit peu. Et puis, de 90 à aujourd'hui, dans l'idée, c'est qu'on a une offre et une demande qui sont en perpétuelle augmentation, et sauf que l'offre est toujours supérieure à la demande. Et aujourd'hui, si vous avez essayé, si vous avez déjà essayé d'aller voir comment acheter une voiture neuve sur n'importe quel site de n'importe quel constructeur, c'est un enfer, en fait, parce que vous devez choisir, vous dites, bon, je veux du rouge, alors il y a 14 rouges à choisir. Les moteurs, si vous y connaissez rien, c'est pareil, il y a je ne sais pas combien de moteurs. Et en fait, aujourd'hui, on a industrialisé la personnification complètement dans ces industries-là. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis des notions de délai, de sécurité, de qualité, etc. Et aujourd'hui, c'est la demande client qui lance une production et pas l'inverse, en fait. On ne produit pas avant d'avoir, d'avoir la certitude qu'on va vendre. Donc, voilà. Et on est basé beaucoup plus sur des notions d'intelligence collective. Ça veut dire qu'on implique les gens dans leur travail, on les fait... alors, je parle pour des entreprises d'industrie développées, mais on les fait réfléchir sur leur méthode de travail parce qu'on sait qu'en fait, c'est des petites améliorations qu'on va réussir à trouver de partout dans l'usine qui vont faire qu'on aura une performance globale bien plus intéressante. Voilà pour, pour les petites origines du Lean. Et maintenant, on va revenir un peu sur le secteur de la construction. Parce que là, a priori, si vous avez des formations de bâtiment, vous allez être en train de vous dire que c'est pas pareil et que nous, le bâtiment, c'est trop particulier. Et du coup, c'est là que cette partie-là va prendre un petit peu tout son sens. Donc, dans un premier temps, pour les principes du Lean, dans l'idée, alors, on va commencer par une petite histoire pour parler un petit peu de la distribution des responsabilités aujourd'hui et de comment se déroule une affaire dans le bâtiment. Ensuite, on parlera un petit peu d'idées reçues que vous avez certainement un petit peu sur le secteur, par rapport à ces notions d'amélioration continue. Quand est-ce que c'est apparu, une petite étude de cas. Et on reviendra également sur la responsabilité à ce moment-là pour voir un petit peu comment ça peut être traité, en fait. Pour commencer, du coup, je vais commencer par une petite histoire. Alors ça m'a inspiré un petit peu au fil des postes que j'ai un petit peu occupés, mais quand on réfléchit à comment se déroule une affaire de construction aujourd'hui, alors je vais pas parler des postes support, des sécurités, etc. Je vais simplement parler depuis le client au producteur. Vous avez par exemple un client qui est un maître d'ouvrage, un professionnel qui veut par exemple faire un immeuble de bureau. Donc ce client-là, il n'a pas les connaissances techniques nécessaires, il sait à peu près ce qu'il veut, il pense qu'il sait ce qu'il veut. Du coup, il va consulter des assistants maîtres d'ouvrage parce qu'en fait, il va falloir qu'il ait un petit peu une vision technique sur ce qu'il veut pour pouvoir après consulter les maîtres d'œuvre, etc. Donc, il va consulter quelques assistants maîtres d'ouvrage. Il va dire, bon, celui-là, il est un petit peu cher, etc. Hop, on fait venir le moins cher, on lui fait diviser son prix par deux. Donc, le gars se dit, bon, bah, je vais faire le strict minimum, j'ai pas été payé, etc. On construit quand même un petit livret pour le besoin. Puis, on va consulter des maîtres d'œuvre après pour entrer un peu plus dans la technique. De la même façon, on reconsulte des maîtres d'œuvre. On se retrouve avec un maître d'œuvre. À chaque fois aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque projet, vous n'avez jamais le même AMO qui bosse avec le maître d'œuvre. De temps en temps, il y a quelques alliances. Mais globalement, dans chaque projet, il y a toujours des alliances un petit peu uniques, ce qui fait que tout le monde travaille un petit peu à sa façon et n'a pas les mêmes modes de communication. On va choisir un maître d'œuvre. Le maître d'œuvre fait son travail, etc. Il s'est certainement fait aussi, entre guillemets, saigner sur le marché, ce qui fait qu'il va devoir, il va pas non plus y passer énormément de temps. Là-dessus, la part des architectes, en termes de pourcentage, avait baissé énormément par rapport à il y a 15 ans. Enfin, c'est assez délirant. Donc, voilà, et il va quand même choisir du coup une entreprise générale ou un OPC, parce qu'après il n'a pas envie de gérer le chantier, donc on rajoute un acteur à nouveau. Puis, cette entreprise générale OPC va avoir besoin de sous-traitants, parce que nécessairement elle ne fait pas tous les corps d'État. Donc vous avez des sous-traitants de rang 1, de rang 2, etc., qui ont tous été choisis. Puis, ces sous-traitants-là, pour certains, ils n'ont pas envie d'exécuter les travaux non plus, donc on va faire des sous-traitants de rang 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sur ce schéma-là, moi la question que j'aime bien poser, c'est comment voulez-vous qu'il y ait une chance que cette personne-là réponde aux besoins de cette personne-là? Parce qu'en fait, quand vous n'avez pas de mode de communication qui sont adoptés par tout le monde, où en fait on est sûr que chacun a bien compris le besoin de chacun, etc.,
on peut arriver à des résultats qui font qu'à la fin, ben, on a des levées de réserves qui sont monstrueuses, qui durent extrêmement longtemps, etc. Et parce qu'en fait, le client n'est absolument pas investi parfois. Attention, il y a des chantiers où c'est différent, mais le client va parfois ne pas du tout être investi dans la partie production. À l'inverse, les producteurs ne sont pas du tout investis dans la partie conception. Et en fait, vous avez une sorte de patate chaude de grosses responsabilités qui passe, qui descend chacun des acteurs, où en fait, tout le monde a la responsabilité du chantier en entier, tout le long, au lieu d'impliquer un petit peu tout le monde à toutes les étapes. Une des grosses solutions qu'on a pour ça, alors, le Lean va répondre à ce type de problématique sur les notions de délai, notamment avec quelques outils qu'on verra tout à l'heure. Un gros outil en termes de communication qui répond très bien à ça, c'est le BIM. Parce que le BIM, vous avez une maquette numérique. En 3D, on voit beaucoup mieux ce qui se passe que sur des plans 2D. C'est collaboratif, tout le monde peut intervenir dessus. Un autre exemple de communication, d'outils de communication qui peut faciliter tout ça, c'est les solutions de réalité virtuelle qui commencent à apparaître. Parce que même quand on a des plans 2D, quand on a des plans 3D, les plans 2D, c'est encore pire. On n'arrive pas forcément à se rendre compte du rendu, c'est complètement normal, même en tant que pro parfois. Et du coup, la réalité virtuelle peut vous permettre de projeter votre client directement dans les pièces pour un peu comprendre ce qu'il a choisi en termes de profondeur sur certains éléments, etc. Donc voilà, il y a pas mal de solutions et le but du Lean, ça va être de répondre un petit peu à tout ça et d'arriver à organiser cet ensemble de flux assez compliqué représenté par les chantiers. Je vais parler un petit peu des idées reçues qu'on peut avoir sur le secteur du bâtiment. Le problème, alors, ce qu'on sort souvent, c'est que le bâtiment, c'est pas pareil, parce que vous comprenez, nous, on fait jamais la même chose, parce que, etc. Et en fait, on fait que des prototypes, etc. Sauf qu'en fait, le principe du Lean, alors, j'en discutais avec un maçon il y a pas très longtemps qui me disait, on fait que des prototypes. Alors, quand on regardait ses affaires, c'était des bâtiments R+3, R+4. Alors des fois c'était R+3, des fois c'était R+4, avec une vingtaine, 15, 20 appartements, etc. Enfin, en fait, c'était toujours la même chose, même si c'était pas exactement au centimètre près le même bâtiment, mais c'était toujours le même type d'affaires. Et surtout, en fait, moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéresse chez ce maçon-là, ça va être quels sont ces modes opératoires qui répètent à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, une personne comme ça va perdre beaucoup d'argent si, par exemple, eh ben, à chaque fois, ils ont des problèmes avec leurs banches parce qu'ils les calent un petit peu en bricolant, parce qu'à chaque fois, ils rencontrent les mêmes problèmes dans leur process. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est les process répétés par chacun des artisans et non le produit fini. On n'agit plus sur le produit fini. Voilà, on ne fait que des prototypes. Donc là, je vous ai fait une petite démonstration. Et en fait, il y a un bâtiment qui répond très bien à ça en termes de prototypage. C'est la fondation Louis Vuitton qui doit être à Versailles, hein, qui a été faite, je crois que c'est 2014, réalisée en ligne construction. Donc là, on est typiquement sur du bâtiment archi-prototype, où on a vraiment voilà, des formes qu'on a jamais, c'est vraiment unique. Et en fait, ça a été réalisé en exécutant ligne construction. Et en fait, ce bâtiment-là prouve bien qu'on n'agit pas du tout sur la forme finale du bâtiment, sur l'industrialisation d'un produit, mais on agit sur la gestion des flux, que ce soit de matériaux, de main d'œuvre, etc. Un autre exemple que j'ai, c'est le tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, qui a été fait, en 2008, et pareil, en ligne construction. Donc là, vous étiez sur des travaux hyper spéciaux, et en fait, vous aviez plusieurs corps d'état différents, il y avait les démolisseurs, il y avait un petit peu de tout, et ils ont réussi à mettre des lignes de construction sur ce chantier-là, simplement en fait, pour gérer les flux par rapport au chantier qu'ils avaient ici. Voilà. En termes d'apparition, la ligne construction, alors, j'ai mal révisé, mais pour résumer, ça vient des États-Unis. Donc en 1993, le Lean Construction Institute sort le terme Lean Construction réellement. Et en fait, il faut savoir que c'est dans les années 80 ou 90, il s'agit d'une entreprise aux États-Unis qui réalisait des bâtiments industriels, type pétrolier, nucléaire, etc. Et ils se sont rendus compte, donc il y avait des responsables amélioration continue dans cette entreprise-là, et en fait, ils optimisaient énormément toute leur partie industrielle. Ils optimisaient toute leur partie industrielle, etc. Et ils construisaient leurs bâtiments également. Et en fait, ces ingénieurs-là se sont dit à un moment, en fait, on optimise notre partie industrielle, mais la construction des bâtiments, c'est calamiteux, on a énormément de problèmes, etc. Et bien, on va essayer de développer un outil exprès
pour la construction des bâtiments, pour gérer les flux de sous-traitants, etc. Et c'est comme ça que c'est né dans les années 1980-90, alors pas sous ce nom-là, mais des principes d'amélioration continue et de gestion des flux dans le bâtiment. Donc nos petits 20 ans de retard du coup font que le Lean Construction est arrivé en 2010 en France. Aujourd'hui, pour faire un petit bilan du secteur, vous avez les majors, certains majors, type, alors je sais que Bouygues et Vinci ont des services en interne de personnes qui du coup font du Lean un petit peu sur les chantiers. Donc, comme c'est des groupes assez tentaculaires, ça dépend des régions et ça dépend de où. Mais en principe, je sais que Vinci, par exemple, dans ma région, en déploie pas mal. Et Bouygues également. Et après, vous avez en fait, on doit être une cinquantaine à faire mon métier, en gros, à être consultant formateur Lean Construction en France. Donc c'est encore très marginal. Et du coup, voilà, il y a un petit peu deux grosses entreprises où ils sont une vingtaine, et puis après, c'est que des indépendants. Mais voilà, pour faire un petit peu un état des lieux du secteur. Et je fais une parenthèse là-dessus pour ne pas oublier non plus d'en parler. Aujourd'hui, là où c'est très difficile de déployer du Lean, vous le verrez après un petit peu avec les outils, c'est qu'en fait, vous devez avoir, sur chantier, vous devez avoir l'ensemble des corps d'État qui sont formés au Lean, et en fait, l'ensemble des corps d'État qui jouent le jeu au niveau des outils et qui suit. Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on va se mettre au service d'un projet commun. Après, bien sûr que tout le monde va s'y retrouver au niveau individuel, mais il faut accepter d'avoir un investissement de base, de formation, de suivi de chantier d'une certaine façon, qui n'est pas de la même façon que comme on a toujours fait, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui à développer s'il n'y a pas une volonté forte de la maîtrise d'ouvrage à vouloir développer ça. Une des limites qu'on peut trouver également, c'est que, par exemple, le maître d'ouvrage se dit ben, « c'est très bien, mais c'est que les entreprises qui vont gagner de l'argent ». Je vous donne un exemple d'un projet qui a été réalisé en Suisse en 2020. À Genève, ils voulaient refaire un palais des congrès, donc tout le second œuvre, en fait. Ils devaient tout démolir et tout refaire. Et en fait, ils avaient 4 mois de chantier. Et en fait, ils avaient 4 mois, ils finissaient le vendredi. Le lundi, il y avait un congrès. Donc en fait, c'est pas 4 mois et demi, 6 mois, c'est 4 mois. Donc là, ils ont fait appel à un cabinet de conseil en ligne pour optimiser à fond tous les passages. Donc là, c'est typiquement le genre de projet où l'argent n'est pas un problème, mais on a des notions de délai à respecter. Et là, le Lean intervient pleinement et trouve tout son sens. Voilà, on va faire une petite étude de cas. Je vais vous présenter une petite étude de cas réalisée. Alors, il y a peu de retours aujourd'hui en France sur les projets. Cette étude de cas, elle provient de Belgique. Et ça a été réalisé du coup sur plusieurs années, de 2014 à 2017. Donc il s'agissait d'un bâtiment, en fait, comment expliquer ? Il s'agissait d'un bâtiment où il vous restait 30 millions d'euros à réaliser pour livrer 141 appartements neufs. Donc ça, c'est pour donner les chiffres assez rapidement. Et donc, ils ont déployé du Lean Construction sur ce chantier-là à partir d'un certain moment. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va s'intéresser à la réduction qu'on a eue des coûts au fil des années par rapport à l'année de référence qui est 2013. En 2015, c'est très faible. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas l'associer au Lean dans le sens où on a une très faible réduction des coûts de 0,5%. On n'est même pas sûr que c'est dû à ça. Donc voilà, on s'arrête là. 1,9% en 2016, 7% en 2017. Qu'est-ce qui m'intéresse ici ? Ce qui m'intéresse, c'est que c'est la forme de l'évolution en termes de réduction des coûts. C'est-à-dire que on a toujours le principe de faire du Lean, c'est que c'est un enchaînement d'actions que vous avez l'impression qu'ils ne servent pas à grand-chose sur le moment, mais qui, en fait, mis bout à bout, vont vous faire avoir des résultats exponentiels à terme. C'est pour ça qu'en fait, quand on déploie du Lean en entreprise, on entend souvent des chefs dire bah, « bon, on fait du Lean pendant 6 mois, et puis après on sera tranquille », alors qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Le Lean, c'est quelque chose qui est un mode de travail. Ça doit durer pendant des mois et des années, même pour se développer efficacement. Et du coup, voilà, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Si vous faites simplement du Lean pendant 6 mois, c'est que vous avez optimisé quelques trucs. Et puis, en fait, si vous arrêtez d'essayer d'améliorer les systèmes, 6 mois plus tard, ils sont caduques. Et du coup, on retombe dans les travers d'avant. Et voilà, ça, c'est une petite... c'est le principe de ce qu'on appelle la S-curve, la courbe en S. Où du coup vous avez un ensemble d'actions qui au début ne vous servent à rien, puis au bout d'un moment vous passez un certain palier d'un seul coup. Et du coup c'est pour ça que sur les chantiers, c'est pour ça que les pros ont un petit peu du mal à faire l'investissement de base, parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter en termes de gains, de productivité, etc. Et un deuxième chiffre assez intéressant, qui va être complètement corrélé du coup à la grosse réduction des coûts, c'est qu'à partir de 2016, ils ont livré l'ensemble des appartements sans réserve. Donc ça peut nous paraître assez fou. Mais c'est juste qu'ils ont réussi, alors
certainement aussi par un certain gain au niveau des délais, donc ils avaient le temps de lever des choses avant la livraison, mais ils ont réussi dans leur process à mettre en place des contrôles, à mettre en place des process qui permettaient en fait d'éviter au maximum de faire des erreurs de qualité, et du coup ça a permis de faire gagner, je crois qu'en termes de coûts c'était 677 000 euros sur ce chantier-là, ce qui est quand même pas négligeable, et du coup toutes les entreprises s'y sont retrouvées. Je regarde là un petit peu, ok. Et du coup, on va parler un petit peu en termes de responsabilité, en quoi le Lean Construction va répondre un petit peu à toutes ces notions-là. C'est que tout à l'heure, je vous disais dans mon étude, dans ma petite histoire au début pour introduire, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse patate chaude qui va passer de chacun des acteurs du bâtiment les uns après les autres, et bien tout le monde va se partager la responsabilité. La responsabilité va être beaucoup plus diffusée entre les acteurs. On verra un petit peu pourquoi tout à l'heure et comment. On va primer sur l'intérêt collectif, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au délai global du projet, mais en fait, au final, les entreprises vont forcément s'y retrouver, parce que si vous n'avez pas de réserve, parce que si vous savez que quand vous intervenez, ben, l'autre personne est bien passée avant, etc., vous allez forcément vous y retrouver. Et les acteurs sont engagés à toutes les étapes, ça c'est hyper important, ça veut dire qu'en fait, dès la conception, les gens de la production se retrouvent, peuvent consulter les plans et peuvent dire ben, à ce moment-là, à cet endroit-là ici, il y a un problème, on aura un problème en production, etc. Au lieu de rien dire et puis de bricoler après en production, ce qui fait les problèmes qu'on connaît en fin de chantier. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un engagement des acteurs à toutes les étapes et d'être également du coup dans l'autre sens, très proche de son client pendant le chantier, parce qu'il vaut toujours mieux résoudre les problèmes avant la production qu'après. Et puis voilà, une petite notion c'est que plus un problème est corrigé tard, plus il coûte cher. Pour retenir ça, vous pouvez vous dire qu'il vaut toujours mieux effacer un mur sur AutoCAD que de casser un mur quand il a déjà été fait. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée, c'est d'arriver à la production avec tout qui est calé et tout qui est bien, bien clair entre les acteurs. Je vais boire un petit coup si ça ne dérange pas avec le masque. S'il y a des remarques, n'hésitez pas, je vais essayer de tenir le temps. Donc, on va passer à la partie outils, donc un petit peu plus concrètement. Donc là, j'ai dû un petit peu choisir pour arriver à vous présenter quand même un ensemble d'outils. On va parler de valeur ajoutée, non valeur ajoutée, donc on va rentrer concrètement un peu dans le vif du sujet. De LPS, Last Planner System, Zoning, le 5S, le comment, la résolution de problèmes. Donc là, en fonction de ce que vous avez peut-être vu passer sur... Par exemple, des fois sur LinkedIn, il y en a pas mal qui en parlent, etc. Peut-être qu'il y a des notions qui vous disent quelque chose ou pas du tout. C'est pas grave, on va recommencer. Je suis là pour ça, pour vous initier un petit peu à tout ça. Donc, dans un premier temps, on va parler de valeur ajoutée et non-valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment le premier outil qu'on va utiliser quand on va faire du Lean dans une entreprise ou sur un chantier. C'est-à-dire que l'idée de la valeur ajoutée, c'est que ce pourquoi votre client est prêt à vous payer. Je vous donne un exemple, si vous êtes maçon, votre client vous paye au moment où vous collez votre mur. Si vous êtes plombier, votre client vous paye au moment où vous posez votre WC. Si vous êtes électricien, au moment où vous posez votre prise. J'enchaîne. Vous avez ensuite les non-valeurs ajoutées. La définition est extrêmement simple, mais la non-valeur ajoutée, c'est ce que le client ne paye pas. Par exemple, vous devez repeindre une chambre, donc vous allez au chantier, votre valeur ajoutée, c'est quand vous êtes en train de peindre la chambre. Si vous avez mal prévu votre coût en peinture et vous vous rendez compte qu'il vous manque un pot, vous faites un aller-retour chez le fournisseur, ça vous prend en tout, vous cramez 2 heures le temps de vous y remettre, vous êtes dans de la non-valeur ajoutée pure. Le client, il s'en moque, il n'est pas là pour payer ça. Pour lui, vous êtes censé être organisé. Et du coup, c'est ce genre de gaspillage qu'on va chercher à éliminer. Et du coup, on peut se dire, mais il y a des choses qu'on est obligé de faire qui ne sont pas de la non-valeur ajoutée pour amener la valeur ajoutée. C'est pour ça qu'il y a une troisième catégorie qui existe qui s'appelle le process. Et c'est en fait ce qu'on va être obligé de faire pour générer de la valeur ajoutée, mais ce n'en est pas. Un exemple très simple, quand vous allez au chantier le matin, c'est de la non-valeur ajoutée process. Vous ne créez pas de la valeur, mais il faut le faire. Quand vous calez vos banches en tant que maçon, vous ne créez pas de la valeur, mais il faut le faire. Etc, etc. On va faire un petit jeu. Il y a eu un petit indice en début de conférence là-dessus. Je me suis rendu compte que j'avais un peu mis la réponse. Mais du coup, est-ce que vous avez une idée? Alors, je vais vous poser des questions en vous demandant de lever la main, comme ça, ce sera plus simple. En termes de ratio aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il y a plus de 80% de valeur ajoutée sur les chantiers?
Personne à plus de 80. Plus de 60. Non. 50. Plus de 50%. Un seul. Alors, est-ce que vous dormez ou est-ce que... ou est-ce que vous pas peur? 40. Plus de 40. Plus de 30. On a des pessimistes quand même. Ça, c'est bien. Plus de 20. Ok. Et en dessous de 20, pour finir. Je sais pas si tout le monde avait un. Globalement, vous êtes, vous êtes quand même plus pessimiste que la moyenne, pour le coup. Mais vous êtes quand même encore optimiste, dans le sens où Delta Partners avait mesuré ça en 2015 sur un ensemble de chantiers. Et en fait, ça ressort énormément quand on mesure ce genre de choses. On se retrouve avec aujourd'hui 7% de valeur ajoutée sur les chantiers en termes de ressources mobilisées. Comment ça se mesure, ça? Ça se mesure, en fait, en suivant un ouvrier, par exemple, pendant une demi-journée. Vous allez le chronométrer. Alors, il y a toute une partie management à côté, etc. Il faut que ce soit bien accueilli, bien sûr. Il faut que ce soit accepté, il faut que ce soit compris, surtout. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'en mesurant toutes les étapes qui sont faites, etc., et ben on se retrouve avec une part de gaspillage pur de 60% sur les chantiers aujourd'hui. Les gaspillages, on va en parler juste après pour voir un petit peu comment on peut les identifier. Voilà, donc pour les gaspillages, là je vous balance un terme un peu lean qui s'appelle Muda, donc ça provient du Japon, comme beaucoup de choses dans le lean. Les Muda, en fait, c'est si par exemple demain je vous dis allez sur ce chantier-là, trouvez-moi les gaspillages, ça va être extrêmement difficile pour vous, parce qu'en fait vous ne savez pas ce que vous cherchez exactement, et vous ne savez pas ce qu'est le gaspillage. Les Muda, c'est des catégories qui ont été réalisées, en fait, un peu des pré-catégories, qui vont vous permettre de zoomer sur ce que vous cherchez en termes de gaspillage. La première famille qu'on peut trouver en termes de Muda, c'est le surprocess. Ça, par exemple, c'est qu'en fait, ben, vous faites trop d'étapes pour atteindre votre produit fini, mais comme vous avez toujours fait comme ça, vous ne vous en rendez pas compte, vous n'avez jamais pris de recul sur votre travail, et du coup, vous faites trop d'étapes. Deuxième étape, c'est l'attente. Alors, deuxième gaspillage qu'on peut trouver, c'est l'attente. Alors, l'attente sur les chantiers, c'est incroyable comme on peut en trouver. Donc, vous attendez une livraison parce que vous avez mal calé votre commande. Vous attendez un sous-traitant parce qu'il n'était pas fiable, il n'est pas passé. Vous pouvez attendre la livraison, le sous-traitant. Vous pouvez attendre la grue. Pareil, si c'est pas optimisé, que vous pouvez attendre toujours la grue, ça vous fait des gaspillages énormes. Et en fait, vous avez sur les chantiers, on peut mesurer très vite 3 ou 4 heures d'attente sur des journées, en fait, simplement parce qu'on n'a pas tous les éléments. Les déplacements, je vous en ai parlé tout à l'heure, la marche est vraiment le gaspillage le plus important sur chantier. Les déplacements aussi, bah, du coup, chez le fournisseur, si vous avez oublié des choses, etc. Gros gaspillage. Les stocks, pour parler aussi des... souvent reliés au déplacement, mais du coup, les stocks, c'est pareil, c'est quelque chose qui coûte très cher. Alors, je fais une parenthèse, cette conférence est construite dans l'idée où on n'a pas une grosse pandémie mondiale aujourd'hui, parce que du coup, si je vous dis que les stocks coûtent cher et qu'il faut les réduire, c'est pas forcément dans cette optique qu'on est en ce moment. Mais voilà, les stocks, globalement, la non-gestion de stocks coûte extrêmement cher, parce que soit on va faire du surstock, auquel cas on immobilise de la trésorerie sans produire, ce qui nous fait des gaspillages énormes, soit on va avoir des ruptures de stock qui nous font passer chez le fournisseur, etc., et qui font du gaspillage énorme dans le sens. La surproduction. Alors, la surproduction, j'ai un exemple personnel qui était assez incroyable quand j'étais en maîtrise 2, où du coup, ben, un plâtrier était venu sur chantier, parce qu'on se dit que ça ne peut pas être du gaspillage, mais un plâtrier était venu sur chantier, et puis l'électricien n'était pas passé avant, et l'électricien devait passer avant. Donc le plâtrier, bon ben, faut avancer, on ne se pose pas de questions. Il a fait tout son mur, et du coup, l'électricien est passé derrière et il a tout cassé parce qu'en fait, il n'avait pas pu passer. Donc, niveau gaspillage, on est à des niveaux assez incroyables. Donc voilà, c'est le Lean va permettre de répondre un petit peu à tout ça pour fluidifier les différents flux sur chantier. Les défauts, donc la non-qualité, ça, je vous en ai déjà parlé, les gestes supplémentaires et les compétences. Alors, les compétences, c'est un gaspillage que j'aime beaucoup, c'est... par exemple, vous avez une entreprise qui travaille d'une certaine façon sur le point de vue administratif, et puis vous avez quelqu'un qui arrive dans cette entreprise, comme vous, qui sort d'école, qui est né dans les années 90 ou début 2000, et qui a une certaine appétence au monde informatique, et qui sait qu'on peut optimiser plein de trucs. Mais en fait, vous arrivez, vous dites, mais pourquoi ça, on ne le fait pas avec en optimisant un Excel, ça irait beaucoup plus vite. Et là, on vous dit, ferme-la, tu connais rien. Et du coup, vous vous dites, bon, bah tant pis, on va travailler comme ça, et puis c'est pas grave. Et en fait, ça, c'est un gaspillage énorme sur les chantiers, parce que le gros avantage qu'on a quand on arrive dans une entreprise,
c'est qu'on a un œil neuf sur les choses, on n'est pas encore déformé par les mauvaises pratiques, ce qui fait qu'on peut apporter beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, on a énormément d'entreprises dans le bâtiment où on est très directif, on ne demande pas l'avis aux personnes, les personnes ne donnent pas leur avis parce que ben, du coup, on leur a très vite fait comprendre qu'on n'était pas là pour ça. Et en fait, ben, on se retrouve à travailler avec des mauvaises pratiques pendant des dizaines d'années sans se rendre compte qu'on pourrait être beaucoup plus performant. Voilà pour la non-valeur ajoutée. Maintenant, je vais parler du Last Planner System. Alors, le Last Planner System, ça, c'est l'outil phare du Lean Construction. C'est-à-dire que la valeur ajoutée, non-valeur ajoutée, ça nous provient de l'industrie. C'est très transposable chez nous, mais ça vient de l'industrie. Le Last Planner System, il s'agit du système le plus adapté au système, au monde de la construction, excusez-moi. L'idée, ça veut dire qu'en fait, c'est le dernier planificateur. Ça veut dire que la personne qui va planifier le chantier est celle qui est au plus près des ressources, au plus près du terrain. Ça va être, par exemple, le Last Planner System, ça peut être les conducteurs de travaux qui le font, ça peut être également les chefs de chantier. Je vais commencer d'abord pour vous expliquer rapidement à quelle problématique ça répond. Je me base également sur un exemple personnel. Quand j'étais en stage de maîtrise d'œuvre, je devais lancer un appel d'offres public. Donc, je n'avais pas le droit de consulter les sous-traitants ni quoi que ce soit. Et en fait, je devais créer un planning avec MS Project sans connaître les cadences, sans être guidé parce que je vais mettre de stage absent, sans connaître quoi que ce soit, etc. Et en fait, le planning que j'envoyais, ce qui est complètement hallucinant, alors que je ne connaissais rien, devenait contractuel pour tous les co-contractants. Et en fait, on se retrouvait avec un planning qui n'avait aucun sens, et du coup, les entreprises ne le regardent même plus. De toute façon, on est en retard dès le début, donc en fait, on ne suit pas. C'est pour ça qu'on se retrouvait avec beaucoup de chantiers en retard. Et en fait, parce qu'en fait, il était irréaliste aussi, donc on ne peut pas en vouloir aux entreprises. L'idée du Last Planner System, c'est qu'en fait, en faisant un outil visuel, et du coup, en faisant une planification collaborative, on va se retrouver avec les sous-traitants qui s'engagent sur leurs interventions. Je vous donne un exemple. L'idée, c'est qu'en fait, alors, pendant le chantier ou avant le chantier, tout le monde se retrouve et tout le monde dit ben, « Moi, tel jour, je vais faire la dalle de l'étage 1. Ok, du coup, ben, moi, je pourrais intervenir après ça, je pourrais intervenir après ça. » Et en fait, sur des post-it, tout le monde va inscrire sa tâche avec ses prérequis. Et en fait, ce qui fait que quand vous placez votre tâche, vous vérifiez le prérequis directement s'il a été réalisé. Et après, vous pouvez optimiser des choses, etc. Ça, c'est possible qu'en rendant les choses visuelles. Donc, s'il y en a qui ont déjà vu ce genre de choses, ça ressemble à ça. Donc, c'est des salles avec plein de post-it de partout. En principe, chaque entreprise a une couleur de post-it. Et du coup, elles vont se mettre d'accord sur les interventions. Et bien souvent, en fait, les échelles sont changées. C'est-à-dire qu'on a souvent l'échelle de temps en colonne. Mais ça arrive qu'on mette, par exemple, les zones en ligne et non pas les lots, ce qui rend les choses beaucoup plus visibles. Ce qui fait que, par exemple, si vous mettez appartement 1, appartement 2, appartement 3, etc. en ligne, et bien en fait, vous ne pouvez pas avoir deux sous-traitants au même moment dans l'appartement 1. Mécaniquement, en fait, par la construction de votre outil, vous ne pouvez pas avoir de problème de flux parce que, en fait, vous avez de la place pour mettre qu'un seul post-it. Donc voilà. Et ça, l'idée, du coup, c'est de faire des réunions hebdomadaires. C'est là qu'en fait, on a un investissement des entreprises. Mais par contre, sur ces réunions-là, vous allez lever énormément de points bloquants que vous seriez pris de plein fouet en production, en fait. Et voilà, et ça vous permet d'optimiser énormément votre chantier. Et ça vous donne le type de résultat que je vous ai montré tout à l'heure sur un gros chantier. Parce que souvent, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le chantier, vous savez qu'il y a la plus grosse source de gaspillage, c'est le flux des différents artisans, en fait, qui est complètement très mal géré par les OPC. Et voilà, je fais une parenthèse là-dessus d'ailleurs, pour avoir fait aussi un petit peu d'OPC. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que moi en tant qu'OPC, par exemple, si je disais à un gars, tu viens le mercredi, pas de soucis, etc., il me disait oui, je viens. Le vendredi, je passais, rien n'était fait. En fait, je ne pouvais rien faire non plus parce qu'on ne met jamais les pénalités, de toute façon, on est coincé, on espère qu'il viendra la semaine d'après. Et en fait, lui, il s'en fichait parce qu'il avait simplement engagé sa responsabilité vis-à-vis de moi. Et du coup, il s'en fichait complètement. Alors que ici, l'électricien, il dit, c'est l'électricien qui dit, je viens tel jour, comme ça, tu pourras venir tel jour, comme ça, etc. Et en fait, les sous-traitants, chaque sous-traitant s'engage vis-à-vis de ses pairs, P-A-I-R-S, s'engage vis-à-vis de ses pairs sur sa capacité, sur sa réactivité. Et du coup, on profite un peu du côté fierté qu'on peut avoir dans notre secteur là-dessus, c'est-à-dire en faisant les sous-traitants s'engager sur leurs interventions. Et c'est pour ça qu'en principe, ces plannings sont extrêmement tenus grâce à ça.
Ensuite, on va parler un petit peu du zoning. Donc, le zoning, c'est vraiment un deuxième et dernier outil purement pour construction. C'est souvent relié en fait à ce qu'on appelle le planning chemin de fer. Donc, c'est un modèle de planning qui était utilisé aux États-Unis pour faire les chemins de fer. Bon, je ne vais pas m'attarder. Mais dans l'idée, c'est qu'en fait, le but de ce type de planning, c'est qu'on va réduire un délai global. Donc, on réfléchit en mode projet. Tout en gardant les cadences de chacun. C'est-à-dire qu'on va réduire un délai sans aller hurler sur les chantiers de façon... Simplement, en fait, au lieu de planifier par corps d'état, on va changer de réflexion, et comme je vous ai dit, on va réfléchir par zone, et non plus par corps d'état. Comment ça se présente sur un exemple concret ? Ça parle beaucoup mieux. Si vous avez, par exemple, un étage comme ça à faire, vous avez 4 appartements identiques, du coup, vous vous dites, on fait passer les sous-traitants les uns après les autres, donc votre plâtrier, votre électricien, etc. Chacun met 4 jours à le faire. On fait un planning de façon très globale, on se dit, ils passent les uns après les autres sur l'étage, etc. Le but d'ici, on va se rendre compte qu'en fait, on a un bâtiment qui est assez répétitif. Parenthèse, pour le zoning, ça marche extrêmement bien sur les bâtiments répétitifs. Ça veut dire, dans les écoles, quand vous avez des salles de classe qui se répètent, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, tous les bâtiments, en fait, où vous avez de la répétition, ça s'applique très bien. Donc, les hôtels. Par exemple, l'idée du zoning, ça va être de faire, de découper en 4 zones notre étage, de cette façon-là. Et en fait, on va faire intervenir tous les sous-traitants de cette façon-là. Donc, en ligne, on a mis les zones. Et en fait, une fois que le plâtrier a fait la première zone, il passe dans la seconde zone et libère la première pour l'électricien, qui la libère pour le plombier, etc. etc. Et en fait, vous remarquez que les cadences sont exactement les mêmes pour tout le monde, mais c'est simplement qu'on a changé le mode de réflexion, on est passé en ligne, et du coup, on est moitié de délai. Et en fait, le zoning, c'est quelque chose qui est très utilisé localement sur les chantiers, quand on remarque qu'il y a de la répétitivité à des endroits, et c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir des chantiers qui finissent 2 ou 3 mois en avance grâce à ça, parce qu'à force de gagner quelques jours ici, quelques jours ici, et ben, ça peut nous faire, à la fin du chantier, ça peut nous faire gagner énormément. Voilà. Souvent d'ailleurs, il y a des consultants en ligne, j'en parlais avec un récemment, qui a été appelé où en fait ils arrivent en tant que pompiers parce qu'il y a tellement de retard que du coup ils vont mettre en place plein de trucs de ce genre pour arriver à rattraper le retard. Donc bon, c'est mieux de le mettre en mode préventif, mais des fois ça se passe un petit peu différemment. Ensuite du coup, on va parler un peu des 5 S et du Kanban. Donc, là on est sur d'autres notions d'amélioration continue qui viennent de l'industrie, mais qui sont quand même assez intéressantes. Les 5S, c'est un outil, c'est une philosophie même, c'est-à-dire que ça va assez loin au Japon pour le coup. C'est devenu vraiment une philosophie où en fait vous avez 5 éléments à répéter continuellement, que ce soit sur vos chantiers, dans votre entreprise. Mais il faut savoir que c'est appliqué dans plein d'endroits, ça peut s'appliquer dans les bureaux, ça peut s'appliquer dans votre voiture, ça peut s'appliquer chez vous. Enfin, en fait, voilà, c'est assez amusant, 5S quand on regarde. Mais du coup, l'idée c'est qu'en fait, pour tous vos éléments, dans un premier temps, le but, c'est de trier, de ranger, de nettoyer, de standardiser et de pérenniser. Donc, on est vraiment sur des éléments-là. Par exemple, si vous arrivez dans une entreprise que vous voulez déployer du 5S, la première chose que vous allez faire, c'est trier tout ce dont il n'y a plus besoin dans le dépôt, par exemple. Ensuite, ranger. Moi, ça, je l'ai fait personnellement. J'ai mené un projet comme ça dans une entreprise. Mais ranger, c'est qu'en fait, vous prévoyez pour toutes les références que vous avez des rangements prévus, etc., pour éviter d'avoir de laisser un peu libre cours à l'imagination des ouvriers. Nettoyer, c'est assez important sur le côté sécuritaire notamment, parce que du coup, quand vous avez des taches d'huile et que vous avez de la saleté, vous ne le voyez pas, ça peut vous faire des accidents de travail, etc. Donc, nettoyer, très important. La standardisation, c'est le fait de rendre évidentes les choses pour un maximum de personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, sur les chantiers, on a des mix de cultures, on a des gens qui ne parlent pas forcément la même langue. Par exemple, standardiser sur un chantier, ça va être de tracer les zones à la peinture, ça va être de mettre des tapis rouges pour que les gens sachent où marcher, ça va être de faire plein de choses extrêmement visuelles qu'on va suivre le plus possible. Et enfin, pérenniser, c'est contrôler tout le reste. Si je vous donne un bon exemple de 5S, l'idée c'est, si vous êtes dans un dépôt ou sur un chantier, peu importe, c'est de rendre les choses évidentes, comme si vous rentriez dans un supermarché par exemple. Regardez la grande distribution par exemple, regardez les aéroports, c'est un très très bon exemple, parce que quel que soit l'aéroport dans le monde où vous êtes, vous comprenez très vite où se trouvent les choses, parce que tout est fait pour avoir de l'information de partout, des marquages, et en fait ça peut vous faire gagner énormément de temps sur un chantier et dans une entreprise d'avoir des endroits organisés comme ceci.
Donc ici, je vous ai pas mis d'exemple de... Je crois que j'ai mis un exemple... Voilà, j'ai mis des exemples d'entreprises. Donc là, c'est mes anciens patrons qui seraient fous de joie, je pense, que je vous montre ça. Mais ils sont d'accord, hein, je leur demandais. Dans l'idée, alors, je ne sais pas quelle expérience vous avez en entreprise, mais du coup, nous, on avait à peu près ça fois 15 dans le dépôt du coup, sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'était... on a des gaspillages énormes, les couronnes qui étaient rangées de façon complètement aléatoire. Ici, pour vous faire un résumé, la consommation de couronnes PE en bas, en fait, si vous aviez besoin de quelque chose, vous preniez la couronne neuve, puis elles font, je crois que c'était 50 mètres, vous utilisez que 10 mètres, et bien vous balancez le reste comme ça. Donc, en termes de gaspillage, je ne parle même pas sur le côté écologique, mais gaspillage économique, etc., c'est complètement catastrophique. Et puis en fait, quand vous aviez un pauvre apprenti qui arrivait, qui n'avait jamais bossé, quand on lui disait bah, « va chercher telle référence ici », c'était un peu compliqué. Donc, beaucoup de temps perdu, beaucoup d'énergie perdue. Alors, je fais une parenthèse quand même pour les défendre un petit peu. C'est une entreprise en termes de dimension qui est passée de 8-10 salariés à 25 en un an. Donc, grosse explosion. Et en fait, ils ont fait des extensions de dépôt, etc. Ils n'ont pas du tout eu le temps de s'occuper de l'organisation. C'est pour ça qu'ils avaient pris du conseil. Mais du coup, voilà. Et en haut, du coup, c'est la même chose. En fait, on peut voir que ben, l'étagère est quasiment... Elle est un peu vide, il y a un peu de tout partout, c'est du bazar. Et en fait, l'idée du 5S, c'est de prendre en compte toutes les références qu'on a. Donc là, il y avait en tout, je crois, 600 références dans ce dépôt-là. Et de faire, par exemple, du sur-mesure, de faire ce dont on a besoin pour vraiment pour notre entreprise. Ici, vous pouvez voir que, par exemple, vous avez une petite étiquette pour chacun des casiers, et vous avez une photo. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à surinformer au maximum pour être sûr que ben, ce sera bien rangé dans le temps. Un autre exemple ici pour les couronnes. Donc là, on a mis un système de récupération des chutes, c'est-à-dire qu'il y avait seulement 8 références, donc on stockait les couronnes neuves avec avec les chutes sur le côté. Ce qui fait que d'abord, on regarde si les chutes sont disponibles, et si on n'a pas ce qu'on veut dans les chutes, et ben on récupère une couronne neuve. Et là, en termes d'économie, c'est énorme. En termes de marquage, vous aviez en haut, c'est écrit qu'il y a référence C, marquage au sol, c'est écrit qu'il y a référence C. Voilà, on insiste vraiment pour être sûr de se donner un maximum de chances qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors là, j'ai une petite coquille, j'ai mis un quart d'heure, c'est plus une demi-heure. En fait, le calcul qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu compte que les techniciens passaient environ une demi-heure le matin et le soir, soit à chercher des éléments, soit à les ranger, quand ils passaient au dépôt. Et on a mesuré qu'ils passaient après plus qu'un quart d'heure le matin et plus qu'un quart d'heure le soir. Donc en fait, ils gagnaient une demi-heure par jour de travail de compagnon. Si vous mettez ça bout à bout, à la fin de l'année, vous avez gagné 3 semaines de production pour votre entreprise. Et 3 semaines de 20 techniciens, en fait, parce que du coup, tout le monde y gagnait énormément de temps. Donc, quand je vous parle tout à l'heure de petites améliorations qui, mises bout à bout, font des gros résultats, c'est vraiment ça. Après ça, c'est après 1 an, 2 ans, voire 3 ans de 5S, très bien appliqué, très bien suivi, où on gagne vraiment du temps. Le Kanban, alors, Kanban, je ne vais pas trop m'attarder sur les origines. Ce qu'il faut retenir pour nous, c'est que c'est un peu un système qui va vous permettre de gérer vos stocks efficacement et notamment de mettre en place, par exemple, des stocks tampons. Un stock tampon, ça sert à quoi? Ça sert à vous dire, à partir d'un certain moment de consommation de mon stock, je mets une quantité qui va devoir tenir jusqu'à la livraison de mon stock à nouveau. Et du coup, ça vous permet de mettre en place des systèmes de commandes automatiques. Donc, des systèmes qui tournent en fait par eux-mêmes une fois que c'est lancé, de cette façon-là, par exemple. Donc, ici, un exemple donc, très simple de ce que j'ai déployé. Mais dans l'idée, vous avez ben, d'un côté votre stock qu'on appelle courant, on va dire. Donc, vous avez une centaine de références dans ce stock. Et à côté, un stock tampon. La même référence, mais c'est votre stock de sécurité. Et en fait, vous prenez dans votre stock courant ce dont vous avez besoin. Et au moment où vous n'en avez plus, vous allez devoir prendre dans le stock tampon. À ce moment-là, la seule mission des techniciens, c'était de récupérer la fiche et de la mettre dans une manette commande. C'est tout. Et après, du coup, on a fait tout un process où les mardis et les jeudis, il y avait une personne en charge de récupérer les fiches, de les scanner de cette façon-là. Bon, après, premier confinement, je me suis fortement amusé sur le code Excel. Donc, on peut faire énormément de choses avec Excel sans prendre de logiciel, en fait. Et du coup, toutes les quantités à commander étaient remplies automatiquement. Et en fait, elles bipaient les fiches les unes après les autres, sans se poser de questions. Elle cliquait sur le bouton « Générer les bons de commande ». Ça générait automatiquement les bons de commande en allant chercher le prix le moins cher dans la base de données. Puis après, ça vous enregistrait les bons d'achat en PDF dans les bons dossiers, les bons de commande, pardon.
et ça rédigeait le mail automatiquement pour le fournisseur avec le bon de commande en pièce jointe, etc. Donc voilà, et en fait ça permettait d'avoir un système qui tourne de lui-même complètement, et une fois que c'était livré, il y avait une personne en charge de re-ranger tout ça, etc. Et ça, ça nous a permis de passer de une rupture par jour à une rupture tous les 15 jours en termes de stock. Donc après, l'idée, c'est de voir où sont les dernières ruptures, d'ajuster et de comprendre pourquoi ça s'est passé. Mais du coup, en termes d'économie, c'est juste énorme aussi à long terme, parce que vous n'avez plus à passer votre temps chez les fournisseurs, etc. Pareil pour la gestion des commandes. Si on fait l'état des lieux de base, à l'origine, c'était un conducteur de travaux qui se promenait dans le dépôt avec l'ordinateur portable, qui avait 10 ans d'ailleurs, l'ordi, donc qui s'éteignait toutes les 20 minutes. Des fois, il fallait tout recommencer, enfin, c'est une catastrophe. Il passait environ 5 heures par semaine à gérer les stocks, avec quand même une rupture par jour. Et là, il n'y avait plus qu'une personne, une assistante administrative, qui mettait une demi-heure par semaine. Donc en fait, on a réduit le temps, on a gagné 5 heures de conducteur de travaux pour une très légère dépense de l'autre côté. Et voilà, et c'est sur ce genre de choses qu'on va... Et le conducteur de travaux peut faire plus de conduite de travaux. Et voilà, donc ce que je vous disais, on a pu réduire les ruptures de stock de une par jour à une tous les 15 jours. Et surtout, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a centralisé, une fois que vous aviez commandé, ça vous enregistrait automatiquement si vous aviez commandé, par exemple. Et ça vous le triait par fournisseur, chez qui vous commandez le plus, par catégorie, qu'est-ce que vous commandez le plus. Et en fait, quand vous avez vos... Comment expliquer quand vous avez vos négociations annuelles, eh ben, vous savez ce que vous avez à négocier le plus parce que vous savez ce que vous consommez le plus, etc. Et ce qui n'était pas le cas les années d'avant. Ce qui fait que les fournisseurs ben, devaient un peu profiter de ça et savoir très bien, eux, ce qu'ils vendaient le plus. Voilà, et pour finir sur la partie des outils, ça, on est pas mal dans les temps, je vais finir du coup sur la résolution de problèmes. Alors, la résolution de problèmes, c'est un petit peu, une fois qu'on a mis en place tous les outils, c'est ce qu'on va mettre en place qui va nous permettre de pérenniser notre système à terme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le Lean, c'est pas quelque chose qu'on fait pendant 2-3 mois et qui après et qu'on oublie et ça tourne tout seul. Le Lean, c'est vraiment quelque chose qui doit se faire avec le temps. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus. Le modèle d'achat que j'ai mis en place, le système, le but, c'est qu'il soit mis à jour, qu'il soit tenu... parce qu'en fait, une entreprise, elle a un environnement qui évolue en permanence. Et le but du Lean, ça va être de s'adapter en continu à cet environnement-là, de s'adapter aux contraintes, en fait. Et un système que vous mettez à un instant T n'est pas forcément valable 6 mois plus tard. Donc, on va parler un peu de résolution de problèmes. L'idée, c'est qu'en fait, on va avoir un management, alors, basé sur le feedback, c'est très... ça fait beaucoup d'anglicisme. Le but, c'est juste d'avoir un management basé sur les retours du terrain réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus prendre de décisions au téléphone, à l'arrache, en essayant de résoudre les problèmes. Ça veut dire avoir des retours consistants des techniciens. Donc ça peut être de mettre en place, comme le quart d'heure sécurité par exemple, mais mettre des quarts d'heure ligne où vous allez donner la parole aux techniciens, demander les problèmes, demander ce qui se passe, etc. Après, il ne faut pas forcément tout traiter, mais ça peut vous faire remonter des idées de choses à mettre en place, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire dans notre secteur. Mettre en place des routines d'amélioration, donc ça, voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais, mettre en place des moments de discussion. Avec, il y a une méthode qui existe qui s'appelle la méthode des 5 pourquoi. La méthode des 5 pourquoi, c'est assez intéressant. Il y a plein de méthodes de résolution de problèmes, mais c'est la plus simple. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. C'est que, dans l'idée, vous allez partir du problème que vous avez eu et vous allez poser 5 fois la question pourquoi, comme un enfant. Et en fait, ça va vous faire remonter à la cause racine du problème. Comment ça se présente? Par exemple, vous avez un technicien qui s'est blessé sur un chantier. Donc, la réaction normale dans le bâtiment aujourd'hui, bon, bah, il se met en arrêt et puis tant pis. Là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la cause source de cette blessure. Une poutre était stockée dans le passage. D'accord? Donc, il se l'est prise, il s'est ouvert le tibia, voilà. Ça arrive. Donc, pareil, on ne va pas s'arrêter là. Comment ça se fait que c'était stocké ici? Elle n'aurait pu être posée. OK. Comment ça se fait? On enchaîne. Le sous-traitant précédent n'est pas passé parce qu'il n'a pas été prévenu. Et du coup, là, on va trouver deux causes sources. C'est soit le sous-traitant qui n'est pas investi, soit on a une planification qui est défectueuse et il ne savait pas qui devait venir. Et en fait, souvent, cette méthode-là, ça va vous faire un peu comme l'icône que je vous ai mis là, une sorte d'arbre à plusieurs ramifications, où en fait, vous allez identifier plein de problèmes ou de problèmes potentiels à la racine. Et en fait, le but, ça va être de travailler sur ces racines-là de problèmes et arriver à... sur ces causes potentielles. Et surtout, l'avantage de faire ça, c'est que
quand vous travaillez sur une cause potentielle, quand vous travaillez sur une cause potentielle, elle vous évitera de générer d'autres problèmes que vous n'auriez pas venir par la suite. Parce que bien souvent, quand on défriche un petit peu tout dans une entreprise après un audit, qu'on a fait le tour de tout le monde, etc., on se rend compte que les problèmes, ils sont toujours liés. Alors, je n'aime pas dire qu'ils sont toujours liés, mais c'est très souvent lié à un ensemble de facteurs, en fait, qui font que tous mis ensemble, ça fait un problème. Et c'est pour ça qu'il faut remonter à la source et pour pouvoir les résoudre efficacement et de façon pérenne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez dans les grosses entreprises industrielles, vous avez des pôles d'amélioration continue qui, maintenant, ils en sont au point où on va chercher les problèmes. On n'a pas de problème, ça tourne bien, mais on va les chercher et on va voir où est-ce que ça pourrait mal se passer. Alors voilà, eux, ils sont vraiment en avance là-dessus et c'est pour ça qu'ils ont des performances assez incroyables. Voilà, du coup, pour la partie outils. Donc, j'espère que je vous ai donné un bon aperçu sur cette partie-là. Et je vais parler du coup pour finir un petit peu du BIM et je vais vous montrer comment ça peut être assez compatible avec le BIM et notamment comment on peut appliquer le Lean à une démarche de conception BIM. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai parlé beaucoup ici de gaspillage sur chantier, dans les dépôts, etc., donc du gaspillage généré, on va dire, par les techniciens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a autant, voire plus de gaspillage généré en conception que sur les chantiers. Sauf que quand vous avez un gaspillage en production, ça vous coûte 30 ou 35 euros de l'heure, ça dépend de l'entreprise. Quand vous avez un gaspillage sur un concepteur BIM, ça vous coûte 90 euros de l'heure. Donc on est vraiment sur des pertes beaucoup plus élevées, ou des manques à gagner en fonction de comment on prend les choses. Mais du coup, c'est assez intéressant de voir le lien qu'on peut avoir avec le BIM, et quelle approche Lean on peut avoir là-dessus. Donc on va faire une approche par les gaspillages, de façon assez classique, et on verra quelles solutions on peut mettre en place. Et il y a eu une petite expérience qui a été faite. Alors, je vais faire un petit aparté là-dessus. En France, les chantiers Lean, c'est rare. Les chantiers BIM, c'est rare. Alors, les chantiers Lean et BIM, c'est extrêmement rare. Mais j'ai réussi à trouver des petits retours d'expérience là-dessus, sur des conceptions BIM d'une durée d'un an. Certains ont appliqué le Lean, d'autres non. Et on va voir comment ça s'est passé. Donc, pour commencer, une approche par les gaspillages dans le BIM. Alors là, c'est assez amusant, je ne sais pas combien vous êtes formés là-dessus sur le BIM, je vais essayer d'expliquer un petit peu au fur et à mesure. C'est qu'on peut avoir des livrables trop détaillés, trop généralistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs niveaux de détails dans le BIM, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais globalement vous avez 5 ou 6 niveaux de détails. Et en fait, si au tout début du chantier, votre électricien se dit « bon, je vais faire tout le truc BIM, là, comme ça après j'en serai débarrassé, ce sera réglé. » Il va faire toute sa conception exactement, avec exactement la prise qu'il veut, à quelle cote, etc. Alors qu'en fait, les autres n'auront pas commencé, ne seront pas au même niveau de détail. Et ça fait des gros problèmes dans la conception, parce que le but, c'est que chacun avance à la même échelle, au même niveau de détail, et du coup, il y a une certaine planification à avoir. Des modélisations en double au mauvais moment, ça revient un petit peu au même. Du manque d'informations, c'est-à-dire que pour différentes raisons, mais on n'a pas les informations qu'on veut au moment où on le veut. Différentes attentes, donc un fournisseur qui est défaillant et qui ne va pas livrer sa conception au moment où il y en a besoin, qui va bloquer les autres, on se retrouve avec de l'attente. D'ailleurs, vous remarquez le parallèle, on a un parallèle direct avec ce qui se passe sur chantier, sauf que là, on attend des gens pour la conception. Des fournisseurs pas évalués à tester le logiciel. Alors ça, j'ai une petite histoire perso que j'aime beaucoup là-dessus, c'est qu'en fait, j'avais un étudiant alternant qui était dans une entreprise où en fait, il travaillait sur Excel en ligne. Donc le patron était assez radin pour ne pas acheter la suite Excel, même pas, voilà. Et en fait, le problème il s'est retrouvé à répondre à un appel d'offres où il répondait à un chantier BIM. Et un gros appel d'offres, c'est-à-dire que c'était pour cette entreprise, c'était de l'ordre de 80 000 euros, c'était quand même un gros marché, c'était une petite entreprise, et ils répondaient à un marché qu'ils ont eu de 80 000 euros dans où ils vont devoir faire du BIM dans une entreprise qui n'a pas Excel. Donc en fait, je fais une parenthèse là-dessus, un poste BIM dans une entreprise, là vous mettez la formation, vous mettez le logiciel, etc., sur 2 ans ça coûte 18 500 euros. Donc en fait, quand une entreprise n'a pas Excel, elle ne fait pas du BIM. Voilà, c'est une petite parenthèse, et en fait, comme ce n'est pas forcément évalué dans les prérequis pour répondre au marché, eh ben on se retrouve avec des fournisseurs archi-défaillants, parce qu'ils ne sont pas du tout équipés pour répondre à ça. Le BIM, malheureusement, ça laisse un petit peu les petits sur le côté, parce que c'est surtout dans les groupes aujourd'hui que ça se développe. Et du coup, la remodélisation, qui peut être aussi un gros gaspillage, parce que dû à plein de raisons.
Pour répondre à ça, des exemples de solutions qu'on peut avoir, ça va être, pour commencer, une adaptation du Last Planner System, donc un système de planification qui va permettre d'arriver à livrer des, à gérer les livrables entre les différents corps d'État. Faire des workflows standards par projet, donc là après je ne vais pas rentrer énormément dans le détail parce que si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les sources, mais globalement l'idée c'est de vraiment standardiser de quelle façon est-ce qu'on conçoit sur ce projet-là, etc., faire des chartes. J'ai pas beaucoup parlé de ça, mais il y a dans le ligne un gros volet standardisation où le but c'est d'arriver à réduire le caractère un peu hasardeux de l'humain en mettant le plus possible de standards, enfin pas le plus possible, mais en mettant des standards vraiment efficaces dans les entreprises. Et du coup, ça peut être aussi d'évaluer les compétences en phase préconception. Ça, ça peut être extrêmement simple à mettre en place. Vous dites, ben, vous avez 2 jours pour réaliser telle conception, et puis vous voyez très bien si les gens sont capables ou pas d'y répondre. Alors, encore une fois, voilà, près de 20 000 euros pour mettre en place, donc il faut savoir si les gens ont mis l'investissement. Et du coup, une adaptation du LTS, l'idée, ce serait en fait d'avoir des jalons qui sont clarifiés avec le client. Donc, c'est-à-dire que ben, votre client sait où vous en êtes, c'est de la même façon, vous enlevez le flou, comme vous pouvez avoir sur les chantiers avec votre client, vous vous mettez d'accord sur les jalons et vous faites votre conception en fonction de ça, de façon collaborative de la même façon, et du coup avec des livrables qui s'imbriquent bien les uns avec les autres. Et du coup, voilà, l'exemple que j'ai trouvé, ça ressemble à ça, donc c'est pas très beau, mais vous pouvez avoir toujours de la même, sur le même, la même optique de rendre les choses très visuelles et très faciles, au lieu d'avoir un BIM manager qui a tout dans son ordinateur et qui va essayer de gérer tant bien que mal les sous-traitants, eh ben, tout le monde va se mettre d'accord sur, sur des livrables par rapport aux autres et on retrouve les mêmes avantages que le LPS chantier. Voilà. Et du coup, pour terminer, le petit retour d'expérience là-dessus. Oh, j'aurais fini. Voilà. Le petit retour d'expérience là-dessus. Donc, c'était sur une conception qui a duré 1 année, avec un groupe qui a fait une conception BIM de façon classique et un groupe qui a appliqué des solutions Lean. Donc du LPS, je crois qu'ils ont appliqué le LPS et ils avaient standardisé tous leurs process. En gros, c'est ce qu'ils avaient appliqué, donc pas forcément grand chose, mais ils avaient quand même fait le minimum. Et ils se sont retrouvés à finir avec 2 mois d'avance et surtout plus de la moitié moins d'erreurs de conception en moins, parce qu'en fait, ils avaient pu faciliter la communication entre les acteurs au fur et à mesure, ce qui a fait augmenter la qualité des livrables. Et du coup, voilà, ça a atteint des résultats assez intéressants. Voilà, je suis même peut-être allé un peu vite, alors après il y a un petit temps pour les questions. Je vous remercie pour votre écoute d'abord. Et si vous avez des questions, je suis ouvert. Oui ? Ah, si, moi, je n'ai pas compris. Ah, je vous écoute. Quelle proportion de chantiers utilisent le Lean ? Très peu. Aujourd'hui, c'est... Alors, souvent, là, j'en parlais avec une qui est chez Bouygues dans un pôle Lean récemment. Et en fait, eux, ils arrivent à le déployer parce qu'ils vont dire, quand ils choisissent leur sous-traitant, ils disent tout de suite qu'il y aura du Lean, qu'il va falloir suivre, qu'il y aura des réunions toutes les semaines où il faudra venir s'impliquer, etc. Et du coup, ils mettent tout de suite dedans 1 ou 2 jours de formation au début, pour être sûr que tout le monde suive et soit dans le jeu. Et après, ils connaissent les sous-traitants qui les ont. Et en fait, c'est très long à déployer, donc les groupes ont la force de frappe d'arriver à le déployer un petit peu, mais après, en proportion, franchement, je ne suis pas sûr qu'il y ait... Il n'y a pas 1% des chantiers qui sont en ligne aujourd'hui en France. Après, ça dépend... Ça va s'appliquer sur des gros chantiers, mais voilà, c'est comme le BIM. Je sais que le BIM est appliqué au Grand Paris. J'ai une amie qui travaillait dessus. Le Lean, je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah oui, attendez, je vais demander au live s'il y a sûr. Il y en a qui ont faim. Elles arrivent ici, les questions ? Ah non, pas du tout. Vous les avez ? Vous en avez quelques-unes ? Ok, bah du coup, le live, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, on peut les lire. Je ne sais pas si j'étais bien clair, parce que c'est des notions que je ressasse beaucoup, donc j'aime bien être sûr que ça a été acquis quand même.
Bon, pas de questions. Bon, bah, parfait. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Et, merci.